Que vaut maintenant le quotient de réaction à l'équilibre? Le quotient de réaction à l'équilibre, ce n'est rien d'autre que la constante d'équilibre. Bien. Un petit peu perdu la voix à cause des fêtes, hein. Car constante d'équilibre est égale au quotient de réaction à l'équilibre, c'est-à-dire toujours la même chose, hein, au produit N de moins, cette fois-ci, évidemment, à l'équilibre, multiplié par la concentration en H2H à l'équilibre, acide formique, acide méthanoïque, divisé eh bien, par le produit des réactifs, hein, c'est-à-dire HNO2 à l'équilibre. Et là, on n'oublie pas de mettre EQ, hein, c'est plus initial, c'est plus à l'instant T quelconque, c'est à l'équilibre. Hein, multiplié par HCO2- à l'équilibre. Alors, pour calculer ce quotient de réaction à l'équilibre, il faut faire apparaître des constantes d'acidité, c'est-à-dire le produit d'une base par H3+, est divisé par l'acide conjugué. Et bien ici, on voit que si on multiplie ici par H3+, concentration d'H3+, à l'équilibre évidemment, en haut et en bas, qu'est-ce qu'on retrouve? Et bien ici, on retrouve la constante d'acidité, ici, la constante d'acidité du couple 1, et ici la base fois H3+, et au numérateur l'acide, c'est tout simplement 1 sur la constante d'acidité du couple 2. D'accord? Bon, un petit rappel, hein. Une constante d'acidité, c'est une constante d'équilibre particulière qui fait référence à l'équation chimique suivante, AH plus H2O donne H3+, plus A moins. Hein, cette constante d'acidité, en règle générale, est donc égale à la concentration d'H3+, le cas ici, multiplié par la concentration en A moins, la base, la voici et voilà, divisé par la concentration en acide, AH. Hein, je vous rappelle que les concentrations en solvant sont remplacées par 1 dans une constante. Hein, voilà pourquoi ici on retrouve la constante d'acidité. Donc, K ou QR équilibre est égal à K1 sur K2, c'est-à-dire 10 puissance moins PK1 sur 10 puissance moins PK2, ce qui nous fait la valeur numérique suivante, 3,2. Ce n'est pas une réaction totale, car sa constante d'équilibre n'est pas de l'ordre de 10 puissance 3 ou plus.